amis Verseau, je suis heureuse de vous retrouver sur le tarot de l'œil du chat pour votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2020. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Que vous dire mes amis Verseau, sur ce mois d'août, on a une arcane majeure, c'est la force. Je suis bien contente de la voir. Il y a des étoiles, donc ça traduit du feu. Il y a un tout petit peu d'ancrage. Ah oui, il y a une deuxième arcane majeure qui est la retraite. Il y a un peu d'air, ce qui vous caractérise. Et puis, il y a aussi des cœurs, peut-être quelques cœurs brisés. Alors, on va commencer sans plus tarder. On va voir un peu ce que ça traduit tout ça. De quelle façon vous vous présentez sur ce mois d'août? Vous avez la 5 des étoiles. La 5 des étoiles, c'est la personne qui veut reprendre confiance en elle. Elle a ce désir profond là, de, comme si vous aviez peut-être été troublé dans un avenir plus ou moins récent. Mais là, vous avez compris que ce que vous avez vécu tout au long de votre vie, c'est ce qui a créé de la diversité intellectuelle, amoureuse, émotionnelle, environnementale. Vous savez qu'effectivement, tout ce que vous avez vécu, c'est ce qui crée votre richesse aujourd'hui. Avec cette 5 des étoiles, on doute, mais si vous voulez, on voit que ces 5 étoiles-là qui montent vers le ciel, elles sont pleines des couleurs de ce qui compose cette carte. On a peut-être le sentiment, si vous voulez, que tout est mélangé, qu'on ne sait plus trop où on va. On a peut-être des doutes, ou on a eu des doutes, mais quoi qu'il en soit avec cette carte, votre désir profond à vous, c'est de reprendre confiance en vous. Et je sais ô combien j'aime les Verseaux et le savent, que les Verseaux ont cette indépendance suffisante pour rebondir à eux tout seuls. Donc, s'il y a eu quelque chose qui vous a chagriné, vous allez assimiler ce chagrin, vous allez digérer ce qui vous est arrivé, pour reprendre confiance en vous et redémarrer. Donc vous êtes dans cette phase-là de reprise de confiance en vous. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette envie-là de vous ressaisir, si j'ose dire? Eh bien, c'est la 5 des cœurs. La 5 des cœurs, c'est le chagrin. Quelqu'un est présent dans votre vie ou quelqu'un vous a brisé le cœur, ou vous vous êtes brisé le cœur à vous tout seul, hein, c'est possible. Mais voyez, il y a eu une connaissance d'un malheur autour de vous ou pour vous-même, et tous ces cœurs-là qui sont couchés, c'est autant de chagrins qui se sont accumulés. Et là, il y a eu trop plein, il y a eu de la tristesse, et là, vous n'en pouvez plus. Vous doutez, alors que vous avez envie de reprendre confiance en vous, c'est comme si on avait dit, allez hop, je vous en rajoute une, tiens, tu n'as pas souffert assez, hop, je t'en rajoute une. Et donc là, on est obligé de prendre appui, de demander de l'aide, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc, vous voulez reprendre confiance en vous, mais ça n'est pas aussi facile que ça. Il y a probablement du monde autour de vous qui peuvent vous aider. Encore faut-il que vous sachiez sur quelle épaule vous appuyez. Donc ça peut être le moment ou de consulter un thérapeute, un médecin, d'aller vers un ami ou une amie de confiance, une mère, une grande sœur, que sais-je, parce qu'il est temps d'aller pleurer dans les bras d'une personne pour retrouver confiance. Je vous prie de m'excuser, je vais sortir un chat. Allez, ma minette, hop. Voilà. Donc là, voilà, vous y a de la diversité. Votre diversité, c'est votre richesse, votre diversité de vie. Mais il y a eu la goutte d'eau qui déborde et qui fait que, effectivement, vous ne pouvez pas vous reconstruire, vous ressaisir comme vous voulez le souhaiter. Alors, d'où vous venez? Vous venez quand même de la sagesse du Verseau. Avec, là, on est clairement dans le signe de l'air. L'as des anges, c'est le Verseau, si vous voulez, qui a une nouvelle idée. Et cette idée-là le transporte littéralement vers de nouvelles dimensions. C'est, si vous voulez, vous venez d'une idée où vous avez été inondé d'amour, comme si vous aviez de la clairvoyance, comme si vous aviez la vérité spirituelle, intellectuelle d'un point de vue amoureux. Vous vous êtes ouvert vers des idées nouvelles, vous avez été entraîné à innover. C'est pour ça que vous avez envie de rebondir, parce que vous savez effectivement que vous pouvez aborder les vérités profondes, absolues,
comme s'il y avait eu un nouveau cycle d'études, si vous voulez. Alors les études, ce n'est pas forcément les études et les diplômes, c'est les études de l'apprentissage de la vie, si vous voulez. Comme si vous aviez été à un cycle final, un défi mental que vous avez relevé, et ça vous a permis de vous élever. Vous avez probablement réussi à vous détacher de certaines croyances, et si vous voulez, vous associez, si vous voulez, cet intellect-là avec la sagesse de votre expérience de vie, ça vous ouvre de plus grandes perspectives et tout devient beaucoup plus léger avec cette tasse des anges, voyez. Donc vous venez de là, vous avez compris, vous savez très bien que rien n'est mauvais, rien n'est bon, mais que tout est présent, tout est là. Et si vous voulez, vous avez envie peut-être qu'on vous foute la paix parce que vous avez ce besoin d'indépendance qui vous caractérise tant. Et vous avez besoin de vous ressourcer. Donc vous utilisez peut-être à bon escient cette sagesse que vous avez là, ou alors parce que vous êtes sage, vous avez du mal à accepter ce qui vous arrive aujourd'hui comme une forme d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qui fait votre plus grande force? Alors là, j'ai le signe du feu dans tous ces états. Donc, un bélier, un sagittaire ou un lion qui vous accompagne. Tout le monde sait que le Verseau et le bélier s'entendent particulièrement bien. Peut-être aussi avec les lions et les sagittaires d'ailleurs, mais je sais que le bélier et le Verseau sont complémentaires. Là, il y a la roi des étoiles et la 4 des étoiles qui sont tombées ensemble. Alors, soit c'est vous, soit c'est le signe de feu qui vous entoure. Le roi des étoiles, c'est une personne qui a bien bourlingué et qui est arrivée à une fin de cycle. Il est arrivé à une fin de cycle, mais non pas pour mourir derrière, mais pour se réouvrir vers d'autres choses. C'est une personne qui a des connaissances, qui maîtrise parfaitement la façon dont il a pu vivre son amour, les expériences de la vie. D'ailleurs, il est plein de cicatrices, mais il est beau avec cette cicatrice, ce roi des étoiles. C'est un alchimiste, c'est une personne qui compose avec la vie et qui est prêt à s'ouvrir l'esprit et à repartir vers un nouveau voyage. Et avec cette 4 des étoiles-là, donc là on a l'esprit masculin, et avec cette 4 des étoiles-là, on est vers l'équilibre de la clairvoyance. On rejoint un peu votre as des anges. La 4 des étoiles, c'est une personne qui a avancé dans sa relation amoureuse, qui voit les choses avec un autre regard, qui a ouvert son troisième œil, et même ses deux yeux, si elle n'en a que deux d'ailleurs, si le troisième œil n'est pas ouvert, elle voit avec d'autres vibrations, d'autres énergies, elle a les connaissances autour d'elle et elle peut regarder l'amour avec pragmatisme. C'est une personne qui a confiance, c'est aussi un peu le foyer. Vous voyez, ça, j'ai l'impression que soit vous devez vous appuyer sur un signe de feu, soit vous allez retourner un peu, et c'est votre plus grande force, auprès de ceux qui sont en mesure de vous protéger, pour vous dire que vous pouvez continuer d'avancer. À vous de voir comme ça vous porte, mais on sent que ça, c'est quand même vraiment une très grande force. De toute façon, vous avez quand même ces étoiles-là, il y a quand même beaucoup d'énergie de feu autour de vous. Alors moi, je suis assez confiante parce que même si vous êtes dans le chagrin, vous avez cette énergie de rebondir parce que dans votre tête, il y a la reine des arbres. La reine des arbres, c'est la personne qui s'apprécie telle qu'elle est. La reine des arbres, elle est nourricière d'elle-même, elle est nourricière de l'autre, elle est ancrée, elle est généreuse et elle remercie son corps. Elle remercie son corps de la porter, de la nourrir, de la réveiller. Elle, si vous voulez, d'un point de vue spirituel, elle a acquis des connaissances et elle sait très bien que sans son corps, elle ne pourrait rien faire. Donc cette reine des arbres-là, elle a envie de se mettre en avant, elle a envie de remercier la vie, elle a envie de vivre pleinement. Elle a, si vous voulez, son corps à cette femme-là, ou si vous êtes un homme, c'est pareil, vous me direz, mais c'est une manifestation de l'esprit. C'est le corps permet de matérialiser ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ça, vous l'avez bien compris. Ça vous donne donc beaucoup de générosité, une très très grande liberté d'action, beaucoup d'élégance, beaucoup de dignité. Donc vous témoignez de la gratitude à vous-même intérieurement
Et ça, ça me rassure parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas rester dans une situation où il y a tous ces doutes qui vous entourent. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et c'est ça qui me perturbe un peu, c'est que vous avez l'arcane majeur de la retraite. C'est vous qui vous mettez en position de retrait par rapport à une situation. Est-ce que c'est cette personne de feu là qui, avec laquelle vous avez l'impression d'avoir fait un bout de chemin et pour lequel vous dites stop? Ou alors vous êtes attiré par cette personne là qui vous ouvre son cœur et auquel cas vous dites adieu à une autre situation? Quoi qu'il en soit, moi je sens une forme d'isolement. Un isolement volontaire pour apprendre, pour comprendre. Parce qu'on a cette 5 de cœur-là qui fait que vous êtes triste. D'ailleurs, on sent que vous avez besoin de vous mettre en retraite, en ermite, de voir ce qui se passe autour de vous pour retrouver la lumière et la clarté. On voit bien ici ce brouillard-là dans lequel vous êtes, mais vous apercevez quand même au loin la montagne qu'il convient de gravir. Et alors, c'est d'autant plus vrai que là, vous êtes, on est dans votre signe d'air à vous et on a la 8 des anges, comme si vous étiez dans la confusion des sentiments. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous doutez. Il y a des pensées, si vous voulez, négatives qui vous aveuglent, probablement dues à cette tristesse. Il y a un tourbillon, si vous voulez, qui se passe autour de vous et ce tourbillon-là vous empêche de trouver la paix. Il y a des restrictions qui s'imposent à vous, un certain malaise. Il y a une relation peut-être qui commence, qui vous perturbe, ou une relation qui met fin, mais il y a quelque chose qui vous a profondément attristé et qui fait que vous êtes complètement perdu. On voit cette femme, elle vibre, elle est rougeoyante, elle est belle, mais elle se sent vulnérable. Quelque part, peut-être que vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à matérialiser parce que vous vous sentez seul en ce moment. Alors, c'est très sage de se mettre en position d'ermite quand on est dans ce sentiment-là parce que la solution va arriver beaucoup plus vite. La sagesse dont vous faites preuve, l'écoute dont vous allez avoir va vous permettre d'avancer plus vite dans votre apprentissage de vie. Parce qu'au fond de vous, quand même, on a toujours cette étoile-là. Donc, on a toujours l'énergie du feu. Donc, c'est peut-être quelqu'un dans votre famille ou dans votre environnement qui est un signe de feu très bienveillant pour vous, qui vous pousse au succès. C'est au fond de vous, c'est là. Vous avez compris comment matérialiser l'amour. Vous avez du succès. On vous aime. Vous savez que vous êtes aimé et vous aimez également. Vous voyez cette personne, elle porte une magnifique tenue rouge qui est de la couleur du sang qui coule dans les veines. Donc c'est le signe de la vie. Elle est belle cette personne et vous savez au fond de vous que vous êtes une belle personne. Elle tient contre elle une couronne de fleurs blanches qui traduit une forme de pureté. Et les ailes sont blanches aussi. Il y a de la pureté amoureuse, il y a de la connaissance, de la reconnaissance, comme si on voulait mettre à profit un magnifique projet amoureux, que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a une connaissance de tout ça et on rayonne de beauté avec cette carte. Intérieurement, si les gens vous connaissent et vous reconnaissent, ils savent que vous êtes une bonne personne et vous-même, vous savez que vous êtes cette bonne personne. C'est pour ça que vous avez la reine des arbres. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gratitude envers vous-même. Et vous avez raison. Alors, quel est votre défi? Eh bien, votre défi, ça va être, si vous voulez, intellectuellement, puisqu'on est dans votre signe d'air, de progresser, d'accepter que les événements ne sont pas toujours ce qu'ils le sont, comme ce qu'ils devraient être, accepter cette tristesse, faire corps avec elle, libérez-vous, si vous voulez, de toutes ces tensions que vous avez en vous, faites de nouveaux projets, de nouveaux plans, soyez persévérants, et vous verrez que vous allez avancer vers la liberté, la reconnaissance, et vous arriverez à vous dire que tout n'est pas si grave. Et d'ailleurs, vous allez accepter, votre défi c'est d'accepter une rencontre nouvelle.
acceptez de vous aimer, d'être dans cette union. Vous êtes libre de faire ces nouvelles expériences amoureuses. Regardez comme cette deux de cœur est belle. Nous avons deux personnes qui ont la même couleur, la même vision des choses, qui s'aiment charnellement. Et là, vous, on vous demande d'accepter tout ça, d'accepter ce projet-là, parce qu'il est beau. Quittez là ce qui vous mine. Ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui vous minez. Là, c'est une rencontre équilibrée, nouvelle, joviale. C'est un cadeau qui tombe du ciel. Donc, pourquoi avoir tant de doutes sur vous-même alors que vous savez pertinemment, au fond de vous, que vous avez raison? Alors, je me veux rassurante là-dessus parce que regardez comment vous terminez. Vous prenez le chemin de la force. Vous êtes beaucoup plus puissante que ce que vous pensez. Regardez cette personne, elle lève le bras, elle est bleue, couleur de la vérité. Elle a une aura jaune tout autour d'elle, couleur de la force. Elle est nue, elle n'a pas besoin d'être habillée pour être plus forte que tout ce qui l'entoure. Vous voyez cette force-là, c'est une énergie qu'on va chercher au plus profond de soi, grâce à l'expérience de la vie probablement. Mais si vous voulez, on s'adapte, on se moule, on adapte son énergie à la situation. La force vous permet de retrouver votre équilibre. Elle vous permet d'assumer ce que vous êtes, de vous sentir en sécurité. Vous avez un énorme pouvoir de persuasion et il faut accepter, reconnaître que vous êtes fort. Ça fait peut-être très longtemps que vous attendez votre sauveteur ou la personne qui saura vous sauver. Or, vous savez parfaitement bien que le plus grand des sauveurs, c'est vous-même. Soyez donc reconnaissant d'être ce que vous êtes. Arrêtez avec cette impulsion si vous en avez. Ne résistez pas à ce destin qui vous tend les bras. Arrêtez de prendre les choses comme si ça vous fouettait, comme si vous étiez en souffrance. Parce que tout ce qu'on vous raconte, ce qui sont des balivernes, tout ça, ça n'est que superficiel. Tout ça, ça n'est que pour faire mal. Ou même si ce n'est pas pour vous faire mal, vous faites mal à vous-même. Donc quelque part, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez être. Donc, ne doutez pas de vous, allez vers ce succès, cet amour pour vous-même, méditez dans votre coin si vous souhaitez, mais vous avez suffisamment de sagesse et d'amour autour de vous pour aller vers cet amour. Reprenez votre liberté, reprenez votre amour pour vous-même et l'amour que vous pourriez avoir pour quelqu'un d'autre. Allez, mes amis Verseau, je vous propose de recouvrir ces cartes avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité, et je l'interpréterai sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif, vous cliquez sur le lien, vous arriverez directement sur la vidéo approfondie. Les tarifs sont des tarifs vraiment très avantageux, et puis voilà, je reste bien évidemment joignable par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir sur Vimeo l'approfondissement. Allez, on va tirer les cartes. Ouais, doutez pas parce que vous avez tout en vous. Tout est là. J'ai envie de vous dire, tout est là. Vous existez. Vous avez ce mérite, cette joie d'exister. Vous êtes venu au monde, c'est pas pour rien. C'est pas pour passer votre temps à pleurer, à vous larmoyer sur une personne qui ne le mérite pas. Allez, on va avancer là. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 des étoiles? Vous avez envie de reprendre confiance en vous? Oh ben oui. Ouh là là. Regardez-moi cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle parle d'elle-même. On parle d'obsession ici. Il y a quelque chose d'obsessionnel qui est en marche, mais je vous expliquerai sur Vimeo ce que c'est. Sur cette 5 des cœurs où il y a eu beaucoup de tristesse, il est possible que certains Verseaux
et rencontré et eu une relation amoureuse qui les a transportés vers des lieux auxquels ils n'avaient pas accès jamais. Alors, quelle est cette tristesse? Waouh! Bah, moi, je suis rassurée quand même. L'as de denier. J'aime bien. Ça me fait vraiment plaisir, cet as de denier sur ce 5 de cœur. Vraiment. Vous venez donc d'un passé où vous avez l'as des anges. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle a sauté. Je la prends tout de suite. Vous avez l'apprenti de bâton. Un signe de feu encore. Ou du moins, la sagesse que vous avez acquise vous donne cette énergie de feu. Alors, sur votre force, ce roi des étoiles, là, ce signe de feu qui pourrait être quelqu'un qui a l'expérience de la vie et cette façon dont vous avez de voir les choses avec une plus grande clairvoyance, ou alors vous avez rencontré une dame, si vous êtes un homme, une dame qui a beaucoup de clairvoyance et qui vous donne l'envie d'aller vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce que vous avez? Je vous ai dit, c'est votre plus grande force. Waouh, oh, moi j'adore, hein. J'adore, le réveil, très 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 jolie carte. Ouais, je comprends mieux ce que vous ressentez, hein. Vous êtes probablement pour certains Verseaux à une fin de cycle irrémédiable, mais vous ne quittez pas quelque chose pour le quitter, vous quittez pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors cette reine des arts qui fait que vous aimez, oh là là, on a la 4 de coupe. Il y a de la nostalgie dans l'air. Sur ce présent, en même temps, c'est vrai qu'on n'oublie pas le passé comme ça. Sur ce présent où il y a de la confusion, où on ne sait plus trop où on va, ah, il y a deux cartes qui se retournent. Ouais, ben c'est pas aussi mauvais que ça, hein. On a la retraite se justifie parce que, regardez, on va vers le commencement. Et on a deux arcanes majeures, le temps, qui sont sortis. Ce qui veut dire, ni plus ni moins, que si vous vous mettez en retraite, ce sera pour quelque chose de beaucoup plus beau. Bon, j'en dis pas trop parce qu'après, sinon, sur Vimeo, j'aurais plus rien à dire. À l'intérieur de vous, sur cette 6 des étoiles, sur le succès, sur cette rayonnance que vous avez de vous-même, et vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer sur cette sur votre défi, cette 2 de cœur et cette 7 des anges. Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle saute. Oh là là, merveilleux. Mais oh là, moi je suis complètement fan là. Le soleil. J'adore. J'adore, je vous dirai. Allez, sur votre le chemin que vous entendez prendre avec cette force. Celle-là, je la prends pas parce qu'elle est tombée par accident. Ben voilà, on a la jeune fille de bâton. Très bien, très bien. Alors, pour ceux qui me suivent et me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je l'interpréterai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je trie encore une fois. Hop. Allez, je tire 5 cartes. J'ai dit 5, j'ai pas dit 15. Celle-là, elle saute. On a la valet de cœur. On en a 2. On a la 2 de pique, on a la 8 de cœur. On voit que vous prenez conseil quand même, hein. Vous prenez des avis salutaires, si j'ose dire. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît.
Voilà, il y en a trop. Pour mes anniversaux, deux cartes. Nous avons la 8, 9, 10 de cœur. Et ça, là, elle saute. Et nous avons la 10 de pique. Ouais, il y a des fins de cycle. Hein. Il y a des fins de cycle. Alors, mes amis Verseau, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Vous cliquez sur le lien en descriptif de vidéo et vous arriverez tout de suite sur la chaîne et sur cette vidéo approfondie. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir votre tirage général. Et enfin, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications si vous voulez être averti des prochains tirages. Et dans tous les cas, je vous souhaite, mes amis Verseau, un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.